Tu le reconnais clairement, n'est-ce pas? Tu veux dire le pouvoir de sauvegarder? Oui. On pense juste qu'on ne peut pas connaître les chiffres exacts. Il semble que tu puisses les voir. Exactement. J'ai pu clarifier ce que montrent les statistiques de l'humain. Après ça, je l'ai vu et j'ai jugé l'humain. Est-ce que tu te souviens de toutes les timelines? C'est tellement cruel. Pas de soucis, uniquement moi peux le faire. Et je suis un humain aussi. Je n'ai jamais su ce que j'allais faire ensuite. Eh bien, après tout, nous venons tous de la même route dans des mondes différents. Et l'enfer n'est pas terminé. C'est effrayant. Mais tout n'est pas perdu. Nous connaissons les pouvoirs de l'humain et l'horreur d'abandonner. Donc, nous pouvons trouver un moyen pour nous échapper de cet endroit bizarre. Les statistiques de l'humain sont correctes d'après les chiffres que tu avais dit? C'est sûr. Level 19, PV 92, attaque, défense, XP. Ce sont les mêmes que le statut de l'humain qui a combattu dans chaque monde. Sauf que son nom est invisible et qu'il est difficile de reconnaître son apparence. Bien que je puisse à peine voir les chiffres, je me bats pour une raison quelconque, et je suis convaincu que c'est ça. Nous avons dû nous battre contre différents humains. Donc, c'est étrange. Oh. Alors tu pars finalement, sosie de mon frère Sans? S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça. Je t'appelle correctement. Ravi de te connaître, Sans. Je suis Kara. Appelle-moi par mon nom comme lui. Oui. Désolé. L'humain de ton monde avait à peu près la même apparence que moi, n'est-ce pas? Ça ne doit pas aider. Tu dois être perplexe. Non. C'est ma faute. Désolé. Ça ne fait rien.